Tipeee les gens, aujourd'hui un nouveau format court qui va être comment être un ou une bonne alliée. Générique. Donc, on va revenir à la base, l'outing. On n'oute pas les gens. Des fois, les personnes vont nous le demander. Elles vont nous dire, voilà, est-ce que tu peux reprendre les gens, s'ils se plantent sur mes pronoms, reprends-les, etc. Mais on ne reprend pas les gens qui se trompent si la personne ne nous l'a pas dit avant ou ne nous le fait pas savoir par un autre moyen. Parce que cette personne a peut-être juste envie d'être laissée tranquille. Je pense notamment aux personnes non-binaires qui vont, pas avoir envie que, une ou un allié ou un ami ou une amie, juste donne leur pronom, ce qui va les obliger à se lancer dans toute une tirade sur leur non-binarité. Mais ça peut fonctionner aussi sur les personnes trans, par exemple, qui vont être dans le placard, qui n'ont pas forcément envie d'être outées en tant que meuf trans, alors que, voilà, elles ont le passing qu'elles ont, et voilà. Donc voilà, demandez. Et, bien évidemment, il ne faut pas outer non plus les gens par avance pour essayer de prévenir sans demander d'abord à la personne concernée. Par exemple, même si vous vous dites « Ah là, cet ami à moi, il est vraiment il est sûrement craignos sur les questions de transidentité, je vais lui dire que ma copine est trans, comme ça je vais lui faire un cours de transidentité et je vais dégrossir le terrain. » Vous demandez absolument à la personne avant. Même si vous avez les meilleures intentions du monde, ça peut être catastrophique pour votre ami. Et elle peut complètement, considérer qu'elle peut plus du tout vous faire confiance. Donc ça serait dommage. Tipoui !